Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter mes derniers achats pour ma décoration d'automne, que ce soit sur un petit meuble que j'ai ou dans ma bibliothèque. Donc j'avais déjà quelques décorations que j'avais achetées il y a 2 ans. Mais pour l'automne, mais j'avais envie d'augmenter ma collection pour décorer encore plus. Donc on commence par des petites boules à neige. Hop. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait des paillettes vertes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et donc on a une décoration avec des glands, des feuilles et une branche et un petit hérisson. Donc vous voyez tout le tour. On a des décorations même dans le dos et je trouvais ça trop 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 mignon quand je les ai vus. Donc j'ai le hérisson, j'ai un hibou qui est tellement mignon. Donc pareil, les paillettes sont vertes, mais bon, après les paillettes, je vais pas tout le temps les activer. J'adore, j'adore. Faudra que je coupe le papier là ici sur les trois. Et donc j'en ai une autre avec un écureuil. Voilà, donc ce sont toujours les mêmes décorations, sauf qu'elles ne sont pas peintes forcément de la même manière. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, j'ai trouvé ça trop, trop beau. Donc ensuite, je me suis pris des citrouilles. Alors l'année dernière, j'avais trouvé une grosse, grosse citrouille, presque de la taille, voilà, des citrouilles. Mais ben, là, j'en ai trouvé, il y en avait plusieurs de toutes les formes. Et je pense que je vais m'en racheter d'autres. J'avais peur d'en avoir pour un peu cher, puisque j'avais pas forcément compté. Je suis allée avec une copine, donc voilà, on découvrait ensemble. Donc elles sont vraiment très belles et elles sont, je pense, en terre, quoi. Ouais, ça se voit en terre ou en céramique, je ne sais pas. Donc tout ça, c'est cassable, il faut faire attention. Je me suis pris aussi deux petites pommes. J'adore la couleur. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir, puisque ça brille beaucoup. Hop, j'essaie de mettre ma main pour que vous ayez la bonne couleur. Elles sont trop trop belles. Pareil, ça se casse, c'est en terre ou en céramique. Ensuite, je me suis repris un kit comme ça que j'avais déjà pris il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne me souviens plus, parce que je me suis pris des bougies. Donc il y avait 3 bougies dans ce style, avec donc de la ficelle et une petite déco. Donc j'ai pris forcément la Bordeaux parce que je la trouve trop belle et vous savez que le Bordeaux c'est ma couleur préférée, enfin une de mes couleurs préférées. Ensuite je me suis pris cette bougie qui est orange, mais un bel orange. Je ne sais pas si vous allez avoir la bonne couleur avec pareil une petite déco. Là c'est une feuille d'érable. Et j'en ai pris une verte comme ceci. Voilà, donc je vais vous les montrer là, ici. Pardon. Voilà, donc voilà, les couleurs sont vraiment belles. Je trouve qu'elles représentent bien l'automne. Donc j'ai craqué, au début j'en ai pris qu'une et finalement j'ai pris les 2 autres. Ensuite, je me suis pris, pour finir, ça va être un haul un petit peu rapide, une vidéo un peu rapide. Je me suis pris des petits animaux de la forêt. Donc, il y a un hibou qui est trop beau. Attendez, je vais enlever le plastique parce que vous n'allez rien voir. J'ai pris ce petit hibou qui est franchement trop, trop beau. Il a une trop belle tête. Voilà, j'avais envie de trouver des petits animaux de la forêt. J'ai pris cet écureuil, qui est trop mignon aussi. Voilà. Et j'ai pris un petit hérisson qui est trop beau. Regardez comme il est beau, ce petit hérisson. Trop, trop beau. Voilà, ensuite je me suis pris
Des champignons. Peut-être que je m'en prendrai d'autres, je sais pas. Après, je vais pas non plus décorer toute la maison. Pardon, j'enlève le plastique. Il faudra du coup que je les range à plat. Et je pense que ça se casse aussi là, ces petits objets. Et je pense que ces petits objets, ils se cassent. Donc il faudra que je fasse attention. Donc j'ai pris un petit champignon comme ça. Regardez comme c'est beau. Pareil, hein, ça se casse. Il faudra faire attention. Voilà. Donc il y avait un gland. Alors est-ce qu'ils tiennent droit? Je pense ça. Hein, je pense que c'est fait pour. Ouais, c'est bon. Donc un gland. Regardez, un petit gland maison. C'est trop beau. J'adore. Voilà, je vous le montre, j'essaye de vous le montrer sur toutes les coutures. Il est vraiment bien fait. Et, ah, celui-là, il tient? Oui, il tient. Ah oui, mais on verra pas la maison. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Et je me suis pris, bon, c'était dans la boîte de toute façon, ce petit champignon rouge trop trop beau. Et puis, alors, je vais les re-ranger comme ça. Je suis sûre qu'ils sont bien placés. Est-ce que je vais arriver à les re-ranger d'ailleurs? Oui, normalement, oui. Oui, voilà, ça passe. Donc, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté pour la décoration. Je pense que ça va faire très joli. Il y avait d'autres objets. Donc, ça et puis ça, je me suis acheté des petits stickers pour mon bullet journal. Parce que j'en avais déjà, mais qui faisait très très hiver. Donc j'essaye de tout vous montrer. C'est pas évident, évident. Donc à chaque fois, ce sont des deux planches de stickers recto. Hein, il n'y a pas de verso. Voilà. Et alors celle que j'avais achetée pour Noël, en fait, il fallait découper, mais après il fallait de la colle. C'est pas les stickers. Voilà. Comme on peut trouver. Vraiment collant. D'ailleurs, on pourrait tester, voir s'ils collent bien. Là, voilà comment ils sont. Donc, vous voyez, en fait, hein, c'est comme ça. Ouais, je pense qu'on le voit là. Il va falloir les coller. Je vais essayer d'en décoller un. Ouais, voilà. Donc, en fait, vous voyez, ça colle pas. Ah, si, il colle un peu. Mais il faut rajouter de la colle. Hein. Ça va pas coller suffisamment. Vous voyez? Là, j'enlève comme. Donc, ceux-ci sont collants, contrairement aux planches que j'avais. Mais par contre, il faut rajouter de la colle, ça colle pas suffisamment. Donc là, ben, vous allez peut-être mieux voir sans le plastique. Voilà, j'adore ces petites fleurs là qu'ils ont rajoutées. Et il y avait plusieurs planches qui étaient très belles. Il y en a une que j'ai posée. Que peut-être je reviendrai chercher. Il y a des éléments. Il y avait des feuilles d'automne aussi, trop trop belles. Bon, forcément en plastique, c'était des fausses feuilles. Et il y avait plein de choses que j'ai posées. Je pense que je reviendrai acheter des petites citrouilles comme ça. D'autres petites pommes de cette couleur. Il y avait plusieurs couleurs pour les pommes. Je trouve que c'est vraiment joli et pas cher du tout. Voilà, et en fait, je reviendrai pour m'acheter des feuilles parce que j'ai ce petit support en bois. Qui représente une étoile que j'avais plutôt acheté pour l'hiver. Dans un salon créatif, mais je me vois très bien mettre une bougie, voilà, et venir coller par exemple dessus, vous voyez, bon là c'est un peu gros, mais venir y mettre des petits éléments, donc vraiment il faudra que j'y revienne, vous voyez par exemple, voilà, des petits éléments. Et j'aurais aimé venir coller des feuilles là, voyez, sur la tranche. Donc il faut aussi que je me prenne un pistolet, vous voyez pas trop bien, un pistolet à colle chez Action pour faire une petite décoration, soit dans ma table de cuisine, soit sur ma table du salon. J'espère que cette vidéo hors coloriage vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!